Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez pu passer un très très joyeux Noël en famille, que vous avez pu profiter malgré cette période un petit peu compliquée et particulière, que vous avez pu profiter un maximum de vos proches et que tout s'est bien passé pour vous. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire les favoris et les découvertes du mois de décembre. C'est parti, je vais commencer tout de suite avec un épilateur électrique de la marque Philips. Alors c'est le genre de produit que j'avais il y a très très longtemps, vraiment quand j'étais plus jeune, j'avais un petit épilateur électrique voilà, qui marchait plus ou moins bien, voilà, c'était les tout petits avant, vous savez, c'était pas plus gros que ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément racheté, moi clairement c'est le rasage, alors parce que c'est rapide, c'est pratique. Par contre, on est d'accord qu'au niveau de la repousse, c'est un petit peu la cata, c'est-à-dire qu'il faut y faire tous les deux jours. Bref, et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas retenter ce genre d'épilateur électrique. On va dire que depuis le temps, bah, on a quand même des appareils qui sont beaucoup plus performants. Et effectivement, je suis absolument pas déçue. Donc il se présente comme ceci, c'est le Philips Epilator 8000. Donc à l'intérieur, vous avez 7 accessoires, donc vous avez bien sûr un petit pochon pour le ranger, vous avez différentes têtes pour les épilations suivant les zones que vous voulez. On a également un petit gant comme ça, vous savez, pour bien se gommer la peau avant. Et ce qui est très très bien, c'est que vous avez donc notamment une tête comme ceci. Donc ça, c'est très pratique pour le maillot quand vous voulez tout simplement bah, égaliser et faire une jolie petite coupe, n'est-ce pas ? Vous avez également la tête donc classique pour l'épilation et vous avez d'autres accessoires à mettre par-dessus suivant ce que vous voulez faire. Je vous remettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Et ce qui est super cool, c'est que vous avez également une tête pour poncer les pieds. Ça, c'est hyper pratique. Voilà, je trouve qu'avoir plein d'accessoires comme ça, c'est vraiment génial. Et ce qui est très très bien, c'est que c'est très précis dans le sens où vous avez une petite lumière. Donc vous pouvez très bien voir s'il reste un petit poil par-ci par-là. Et ce qui est également très pratique, c'est que vous pouvez le faire sous la douche ou dans votre bain. Voilà, ça peut s'utiliser également dans l'eau. Donc vous avez deux vitesses. Alors, est-ce que vous allez voir la petite lumière? En fait, la petite lumière, elle est à ce niveau-ci. Et c'est hyper pratique parce que des fois, on passe plusieurs fois sur la même zone. Mais avec la lumière, on voit bien le petit poil qui peut rester. Et vous avez la peau hyper, hyper douce. Vous n'avez pas besoin de repasser un petit coup de rasoir après et effectivement on a les jambes beaucoup plus douces pendant beaucoup plus longtemps. Voilà, donc voilà, je pense que vous allez voir la lumière. Donc c'est quand même assez costaud, hein. Je peux vous dire que ça arrache bien les poils. Alors pour être honnête avec vous, je n'ai absolument pas testé au niveau de l'épilation, au niveau des aisselles et du maillot parce que je suis assez douillette. On va dire qu'au niveau du maillot, j'ai simplement testé la tête que je vous ai présentée en fait juste avant pour égaliser un petit peu. Malgré que vous avez une tête spéciale pour le maillot, également pour bien tirer la peau pour que ça vous fasse le moins mal possible. Voilà, j'ai pas encore testé, j'ai pas encore eu le courage, mais ça va venir. Voilà, je vous en reparlerai. Donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est un appareil qui est hyper efficace et le coffret est très très complet. Autre favori, donc ça, je vous en ai rapidement parlé. Je vous ai dit que je vous ferai une revue d'ailleurs sur cette marque. C'est une vidéo que je dois absolument vous filmer. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai un petit peu délaissé YouTube. Je vous avoue que j'ai pas mal profité de mes proches, que j'ai pris un petit peu de temps pour moi aussi. Mais là, il faut vraiment que je me remette dans le rythme des vidéos et je vous ferai notamment une revue sur la marque Covermark. Donc je vous avais expliqué rapidement que cette marque aussi m'avait envoyé quelques produits que j'avais pas du tout aimé, que c'était pour moi trop gras en termes de texture, trop épais, etc. Donc effectivement j'avais testé ces produits en printemps été, voilà, ce qui ne me convient absolument pas pour cette saison. Mais là, étant donné que mon type de peau a changé, que j'ai une peau beaucoup plus déshydratée, un petit peu sèche, là par contre ça me convient beaucoup mieux. On a une couvrance de dingue. Donc là il s'agit du fond de teint Leg Magic Fluid. Et je vous avais expliqué dans cette vidéo que je m'étais trompée. Ce produit là c'est pour le corps. Mais clairement par rapport au rendu sur ma peau, c'est génial. Surtout que vous avez une quantité énorme par rapport au prix. C'est-à-dire que là, vous avez 75 ml. Vous pouvez trouver le produit
autour des 30 euros si je dis pas de bêtises. Après ça dépend, sur certains sites on peut y trouver moins cher. Il y a pas mal de promos sur les sites de parapharmacie, etc. Donc il faut un petit peu fouiner. Des fois on peut avoir des différences de prix assez intéressantes. Donc là ça vaut quand même vachement le coup par rapport au fond de teint pour le visage qui contient simplement 15 ml en termes de quantité et qui est au même prix ou un petit peu plus cher, je sais plus. Donc clairement, malgré que ce soit un produit pour le corps, ça me convient totalement puisque ça fait maintenant plus d'un mois que j'utilise ce produit sur le visage et j'ai eu aucune réaction et je trouve que le teint est juste top. Je vous reparlerai de cette marque-là, notamment du correcteur, enfin une palette de correcteur, de la poudre, de la base pour le teint et la... je vais y arriver, la crème démaquillante. Voilà, qui est très très efficace. Bon, en même temps, elle est adaptée pour les produits comme ça, waterproof, assez épais. Donc, voilà pour ça. Gros gros favori. Clairement, j'ai trouvé le fond de teint qui me convient totalement, en tout cas pour l'automne-hiver. Voilà, ensuite, très très belle découverte par rapport à mes calendriers de l'Avent. Vous savez que moi, la marque Rituals, clairement, c'est ma marque de soins pour le corps préférée. Donc là j'ai ouvert tout mon calendrier de l'Avent de chez Rituals, j'ai testé quasiment tous les produits. Alors il y avait très peu de produits soins pour le visage, donc c'est vraiment vers ces produits là que je vais essayer de me rediriger parce que vraiment je suis complètement amoureuse de cette marque. Donc j'avais notamment eu deux petites brumes corporelles qui peut également s'appliquer dans les cheveux. Donc il y en a une que j'ai déjà terminée et une que j'ai presque terminée. Clairement, c'est des brumes que je vous conseille. Alors moi, vous savez, pour ces petites brumes comme ça, j'utilise notamment celle de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est une odeur qui tient très peu. Il faut en remettre en cours de journée. Voilà, c'est quelque chose qui est assez frais, assez léger. Tandis que là, pas du tout. Autant vous dire que ça tient aussi bien qu'un parfum. Je suis assez bluffée par ces petites brumes parce que vraiment ça parfume super bien et l'odeur reste, que ce soit sur le corps, les cheveux et même sur les vêtements, parce que voilà, moi généralement je mets ça surtout en sortant de la douche. Je trouve que ça c'est frais, ça fait du bien, donc voilà, j'ai mon petit peignoir et autant vous dire que le peignoir sent. Mais il sent un truc de fou, l'odeur ne s'estompe pas. Donc vraiment si vous cherchez des petites brumes assez légères à porter mais qui tiennent, celles-ci sont vraiment super. Autre très belle découverte de chez Rituals, c'est les bougies. Donc pareil, j'ai eu 3 ou 4 bougies dans le calendrier de l'Avent et j'ai été très déçue. Autant les bâtonnets parfumés, les sprays d'ambiance, je trouve qu'on a tout de suite cette odeur qui reste, etc. Ça sent super bon. Par contre, les bougies, j'avais été vraiment déçue. En tout cas, des parfums que j'avais eus, sauf celui-ci. Voilà, celui-ci c'est le parfum Blackout, donc voilà, vous savez que c'est une odeur très orientale, très boisée, assez soutenue. Mais là clairement, on a une odeur de dingue et même avec une toute petite bougie comme ça, ça parfume super bien et ça sent vraiment la senteur. Parce que les autres bougies que j'ai eues, ça sentait très très bon. Quand on sentait la bougie comme ça, on sentait quasiment rien. Vraiment, il fallait être à côté de la bougie et encore, c'était très léger. Et j'ai eu notamment le parfum figue. Alors celui-ci, je vous le conseille pas. Je trouve clairement que ça pue. Vraiment, je trouve que ça sent pas bon du tout. Mais vraiment, le gros coup de cœur, c'est pour la senteur Blackout. Voilà. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai découvert les bâtonnets parfumés et les tartelettes Yankee Candle, où on a vraiment... une odeur, voilà, ça sent tout de suite, c'est vraiment une odeur qui est très intense, ça sent pas un mélange de bougies ni autre. Moi j'utilise quasiment que ça et les bougies, je suis assez déçue généralement, mais il y a vraiment que celle-ci, cette senteur-là que je trouve magnifique. Ça sent mais divinement bon. C'est même dommage que cette senteur-là n'existe pas en gamme de produits soins. Là d'ailleurs, je vais me commander... bon là, c'est en rupture, donc je vais attendre un petit peu que ça soit remis en stock. Le parfum d'ambiance avec les bâtonnets, ça vaut vachement le coup en termes de prix, puisque le gros est à 45 euros. Je me suis dit, ah, 45 euros, ça fait un petit peu cher, mais vous avez 450 ml. Alors que si vous prenez le 100 ml, il est à 20 euros. Voilà,
Donc je me suis dit, je vais attendre qu'il soit de retour en stock et clairement, voilà, je préfère mettre 45 euros pour avoir 450 ml que de mettre moitié prix et d'avoir que 100 ml. Ensuite, on va parler soins visage. Donc un soin que j'aime beaucoup, c'est de chez The Body Shop, c'est le gel nettoyant doux pour le visage, pour tout type de peau. Donc c'est la gamme à la vitamine E, gros coup de cœur pour cette gamme là puisque j'utilise, je vous en avais parlé, notamment de la crème pour le visage que j'utilise matin et soir. Donc le soir je peux la compléter avec un sérum. J'ai également eu le masque en tissu que je n'ai pas encore fait, mais je pense que ça doit être assez intéressant. Mais voilà, c'est vraiment une gamme qui est hyper bien. Je trouve que c'est très doux, que ça laisse la peau hydratée, mais il n'y a pas de film gras, ni de film un petit peu collant. On sent pas du tout qu'on a une matière sur le visage et je trouve que c'est très très bien. On a vraiment ce côté hydratant mais très léger, que ce soit pour le nettoyant ou la crème qui est plus sous texture gel. Parfait, gros coup de cœur pour ce nettoyant que j'avais déjà testé il y a quelques années et que j'avais pas apprécié. Donc vous voyez, des fois quand on change de type de peau, on n'a plus du tout le même avis, puisque moi à l'époque je l'avais testé, j'avais la peau plutôt grasse à imperfection. Là j'ai plus une peau normale à déshydrater. Voilà, je vais pas dire sèche mais déshydratée, et cette gamme-ci me convient totalement. Autre soin que j'ai adoré, pareil, hein, je sais pas du tout s'il y a un format un petit peu plus grand. Je connaissais pas du tout ce parfum là, en tout cas chez L'Occitane en Provence. Alors est-ce que c'est une édition limitée puisque je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent? C'est une crème pour les mains avec 20% de beurre de karité et c'est récolte de miel. Je connaissais pas du tout. Alors c'est vrai que L'Occitane en Provence, on connaît beaucoup la gamme au karité. Moi je connais beaucoup la gamme à l'amande, mais celle-ci je la connaissais pas et c'est un bonheur. Ça sent le miel, mais il y a vraiment une odeur un petit peu de fleur d'oranger. Ça sent un petit peu le gâteau. J'en ai mis ce matin. Et ça laisse vraiment les mains hyper douces, hyper hydratées. Et là, on a vraiment une odeur qui reste. Et pareil, il n'y a pas de film gras, de film collant. Vous voyez, ça pénètre assez vite. Hyper bien hydratant. De toute façon, les crèmes pour les mains de chez L'Occitane en Provence, c'est vraiment une valeur sûre. Mais vraiment, cette senteur-là, récolte de miel... Gros coup de cœur. On va parler rapidement de maquillage. Alors, je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps des produits de chez Maybelline pour les sourcils. J'en avais reçu notamment 3. Alors, il n'y en a qu'un que je n'ai pas encore testé. C'est le Tattoo Brow. Voilà, vous savez, c'est ce produit que vous appliquez sur vos sourcils et qui va teindre en fait pendant quelques jours, jusqu'à 3 jours, hein, c'est ça? C'est ça. Jusqu'à 3 jours, en fait, ça va teindre vos sourcils. Alors moi c'est quelque chose que je vais faire, hein, mais je suis pas sûre que ça fonctionne hyper bien sur celui-ci. Hein. Vous savez que j'ai 2 cicatrices, donc ça va être un petit peu compliqué, mais je vais quand même tester et je vous en reparlerai, voilà, de ça. Parce que c'est vrai que moi dessiner les sourcils c'est toujours un petit peu compliqué, du moins pour celui-ci par rapport à mes cicatrices. Et c'est toujours difficile de trouver des produits qui marquent au niveau des cicatrices et qui tiennent surtout. Donc généralement, il faut toujours que j'utilise des textures assez grasses. Alors quand vous utilisez des gels, des crèmes, ça marche super bien, mais on a un effet qui n'est pas forcément très naturel. Même quand j'utilisais mon fard à paupières humidifié, voilà, ça marquait très très bien, mais il n'y a pas un résultat très naturel. Tandis que là, j'utilise ces deux produits et ils sont géniaux. Vous voyez, la teinte est juste parfaite et on a un effet poudré. Donc vous avez tout d'abord le Brow Ultra Slim, donc le petit goupillon et une mine qui est extrêmement fine, mais qui marque quand même hyper bien. Donc vous voyez, au niveau des cicatrices, j'ai pas de soucis. Le crayon en lui-même n'est pas trop sec ni trop gras, donc ça c'est bien. Alors au début la mine paraît un petit peu sèche parce que le produit est neuf, donc n'hésitez pas à chauffer un petit peu la mine du produit. Ça marque tout de suite, même dans les poils. C'est génial. Et donc sur celui-ci, j'utilise cet embout. C'est un embout mousse avec une poudre teintée. Et justement, quand on l'applique dans les sourcils à l'intérieur, bah on a un effet justement poudré qui est complètement mat. Et je trouve que le résultat est hyper naturel. Voilà. Et la teinte est juste parfaite. Donc moi, j'ai la teinte blonde. Et pour celui-ci, vous avez l'embout mousse, c'est le Brow Satin. C'est la teinte Dark Blonde, mais j'avais swatché les deux,
les deux mines, parce que même avec l'embout mousse de l'autre côté, vous n'avez pas un goupillon, mais vous avez une petite mine qui est un tout petit peu plus épaisse que celui-ci, mais vraiment très légèrement. Et la teinte est pareille. Pour moi, je vois vraiment pas de différence. Donc voilà, très très joli rendu. Et on va terminer cette vidéo avec deux cadeaux que j'ai eu à Noël, donc deux parfums. Donc un parfum que j'aime beaucoup, voilà, que je n'avais plus du tout, c'est le Angel de Thierry Mugler. Donc celui-ci c'est le classique, c'est vraiment le premier, hein, puisque c'est vrai que vous avez beaucoup de variantes dans les parfums, mais clairement celui-ci c'est le premier. J'en avais plus et celui-ci fait vraiment partie de mon top 3. Vraiment, donc ça je suis très très contente. Et le deuxième parfum que j'ai eu, alors ça c'est un parfum que je vais très peu porter, voilà, que je vais simplement mettre sur un petit foulard ou peut-être en mettre une toute petite touche quand je vais me coucher, mais vraiment de temps en temps, parce que c'est pas forcément un parfum que je porterai moi. Il s'agit du numéro 5 de Chanel. Alors pourquoi c'est un parfum que je vais très peu utiliser? Tout simplement parce que c'est un parfum sentimental. C'est-à-dire que c'est le parfum que portait ma grand-mère. Et du coup, voilà, je voulais absolument ce parfum pour pouvoir le sentir de temps en temps. Donc la bouteille est comme ceci, hein, la bouteille est juste magnifique. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau qui m'a énormément touchée. Et voilà. C'est vraiment le parfum sentimental que je vais pas forcément porter parce que c'est pas du tout le genre de parfum que je porte. Et en fait, pour la petite histoire, ma mère avait ce parfum, enfin elle a ce parfum en fait chez elle. Et c'est vrai qu'une fois je me suis posé la question, quel était son parfum. Et donc mon père m'a dit, elle portait ça. Et quand j'ai été sentir, en fait, ça m'a fait tellement du bien. J'en avais mis pas mal sur un foulard et puis j'arrêtais pas de le sentir, ça me faisait beaucoup de bien. Et du coup voilà, mes parents ont eu l'idée de me l'offrir pour Noël, donc c'est un très très joli cadeau. Donc voilà pour cette vidéo des favoris et des découvertes de ce mois de décembre qui est passé beaucoup beaucoup trop vite. Donc n'hésitez pas bien entendu à me donner vos avis sur ces produits, à partager entre vous vos découvertes et vos favoris, ce que vous avez pu avoir aussi à Noël, le soleil sort. Si c'est pas fabuleux tout ça. Voilà, n'hésitez pas, moi en termes de cadeaux de Noël, voilà, j'ai simplement eu mes parfums et j'ai passé du temps avec mes proches. Et croyez-moi que c'est le principal. J'ai pu faire enfin Noël aussi avec mes enfants hier soir, je les ai récupérés. Puisque voilà, c'était la première année où j'avais pas mes enfants à Noël. Donc ça a été un petit peu particulier, mais c'est comme ça. On s'est rattrapé hier soir. Donc écoutez, avant que la luminosité n'arrête pas de changer dans cette vidéo, je vous embrasse bien sûr très très fort et surtout prenez bien soin de vous.